personnage qui est la première voix qui intervient dans le roman. Il s'appelle Florentin Borde. Et c'est un personnage qui me permet de renouer avec l'espèce de saga familiale qu'il y avait dans les deux précédents romans, puisqu'il s'agit du grand-père d'Ariane, qui était l'un des personnages principaux des deux premiers romans, sauf qu'il peut la Révolution, et les Nuits d'Ava. Et l'un des points de départ de ce roman, c'était effectivement une phrase qu'Ariane disait à son mari Jacques dans les Nuits d'Ava, où elle lui disait « Mon pauvre Jacques, tu es atteint par la maladie du siècle, tu as la naïveté des enfants, tu crois aux légendes. » Il n'y avait qu'un seul héros durant la guerre d'Espagne, et c'était mon grand-père. Et son grand-père, donc, c'est Florentin, et ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, puisque Ariane, dans ce roman, et pourtant ils existent, tisse et crée justement la légende de son grand-père. Et donc il y a une espèce de renversement, finalement. Je ne sais pas si c'est le bon terme, grande guerre romantique, mais effectivement, c'est peut-être la dernière guerre juste, d'une certaine manière, et en même temps terrible, comme toutes les guerres civiles, et qui se trouve coincée entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, comme une espèce de répétition un peu tragique de la Seconde Guerre mondiale, puisque, comme on le sait, ça a été aussi le terrain d'essai pour les fascistes italiens et pour les nazis allemands, avec la Légion Condor, par exemple, le bombardement de Guernica. C'est la première fois dans l'histoire qu'on s'attaquait comme ça aux civils avec Guernica. Et donc c'était aussi une guerre où il y avait une cause juste à défendre. Et donc beaucoup d'auteurs d'ailleurs ont participé à cette guerre et ont écrit sur cette guerre et ont montré la complexité de cette guerre. Je pense à effectivement Hemingway ou Orwell ou Malraux, évidemment, beaucoup d'autres. Et puis c'est une guerre perdue. Je me souviens de cette phrase que Michel Léris avait prononcée, l'écrivain Michel Léris, quand Picasso lui a montré en juin 1937 Guernica. Et Léris avait dit, je cite sans doute assez mal, mais Léris avait dit « Picasso vient de nous envoyer un message de deuil, tout ce que nous aimions a disparu ou va disparaître. » Et cette guerre d'Espagne, c'est ça aussi, puisque ça se solde par la défaite du camp républicain, en partie à cause de ses propres divisions. D'autant plus, c'est une guerre romantique dans le sens où il y a ce mot « légende » que j'employais tout à l'heure. Beaucoup d'auteurs, Hemingway en premier lieu, on a écrit une forme de version légendée. Malraux aussi, en se donnant aussi un rôle qui n'était peut-être pas exactement celui qu'il avait vraiment tenu. Et donc c'est ça qui m'intéressait Et puis les deux camps sont tellement... Il y a les bons et les méchants, quoi, d'une certaine manière assez... et puis ça préfigure vraiment les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et des massacres presque industriels. Et en plus, c'est une guerre qui nous pose question à nous aussi, puisque c'est aussi la guerre qui signe la lâcheté des démocraties, puisque et l'Angleterre et la France ont finalement abandonné pour des raisons... Enfin, que je ne vais pas détailler ici, mais ont abandonné en fait la jeune République espagnole à son propre sort, alors que Franco était aidé par les Italiens et les Allemands. Oui, c'est une des choses qui m'intéresse, c'est le comment finalement l'histoire est une succession d'enchaînements un peu fortuits, hasardeux. Et donc c'est vrai que c'est ce personnage dont tout le monde connaît l'existence, et sans forcément connaître son nom ni savoir qui il était, c'est Raoul Villain, qui est l'assassin de Jean Jaurès le 31 juillet 1914 au Café du Croissant, et donc à la veille de la Première Guerre mondiale. Et ce qui est assez vertigineux, c'est qu'on peut se demander si Jaurès n'avait pas été assassiné, qu'est-ce qui serait passé, puisque Jaurès appelait à la grève générale entre tous les travailleurs allemands et les travailleurs, en disant que cette guerre n'était pas celle du peuple, mais celle des capitalistes. Et donc peut-être qu'il aurait réussi, ce qui n'est pas sûr du tout, mais à empêcher la guerre, quoi. Et donc ça, on se dit, mais si la Première Guerre mondiale n'avait pas eu lieu, c'est 20 millions de morts en moins, il n'y aurait peut-être pas eu la crise de 29 et puis la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est le destin de dizaines de millions d'hommes et de femmes qui auraient été modifiés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que entre cet acte-là de Raoul Villain, cet assassinat, et ce personnage falot qui en fait toute sa vie a cherché une espèce de tendresse qu'il n'a pas eue, puisque sa mère a été internée très tôt, c'était lui-même quelqu'un qui était un petit peu fragile, on va dire, psychologiquement. Et là, l'autre chose extraordinaire, c'est que il a assassiné Jaurès, il a passé toute la Première Guerre mondiale, non pas dans les tranchées, mais en prison.
Et en mars 1919, il y a son procès et il est acquitté. Ce qui est quand même assez surprenant. Il est acquitté, puis après il va continuer une vie d'errance un peu en Europe, ne comprenant pas pourquoi presque la France entière ne le remercie pas pour son acte patriotique à son sens. Et puis il va en 1932, alors qu'il partait pour Tahiti, s'arrêter à Ibiza, rencontrer à Ibiza, et ça, je trouvais ça amusant aussi, le petit-fils de Gauguin, alors qu'il allait à Tahiti. Et il va s'installer ici, le petit-fils de Gauguin va lui construire une espèce de maison un peu baroque, et puis il va être assassiné en mi-septembre 1936, au début de la guerre d'Espagne, par un commando anarchiste. Donc c'est une espèce de destin comme ça, assez étrange, dont je parle dans le roman, et qui est redoublé aussi par un autre destin, qui est celui d'Émile Cotin. Émile Cotin, qui est une espèce de jumeau inversé de vilain, qui lui était un militant anarchiste et qui a tenté d'assassiner Clémenceau, justement en février 1919. Et lui, qui a été condamné à mort. Chose extraordinaire, vilain assassine Jaurès, il est acquitté. Et Cotin essaye d'assassiner Clémenceau, et puis Clémenceau est simplement blessé, et il est condamné à mort. Clémenceau va après commuer sa peine en prison, et puis... Cotin, en 1936, un mois après Villain, va être aussi assassiné dans des circonstances assez obscures pendant la guerre d'Espagne. Donc il y a tous ces hasards de l'histoire et qui m'intéressent beaucoup, qui me semblaient une espèce de source romanesque extrêmement riche. Alors, c'est vrai que ça m'intéresse de mélanger ces destins obscurs ou ces vies minuscules pour reprendre le fameux titre du livre de Pierre Michon. Et dans le roman, j'essaye de mélanger ces vies minuscules à des personnages majuscules, comme Jaurès, qui est une des voix du livre, et à des personnages de fiction, puisque va intervenir aussi parmi les narrateurs du roman Robert Jordan, qui est le personnage principal de Pour qui sonne le glas d'Hemingway. Et puis il y a un autre personnage qui dans le roman qui intervient un chapitre, qui fait une espèce de point de bascule entre la fiction et la réalité, c'est Enric Marco, dont parle Javier Cercas dans L'Imposteur, et qui lui a fait de sa vie une fiction, en fait. Et puis je retrouvais aussi l'anarchisme espagnol, puisqu'il a été président de la CNT après la mort de Franco, et il s'est reconstruit un passé d'opposant à Franco et un passé aussi de déporté. Et tout ça me semble assez excitant pour un romancier. Même si ce n'est pas sans poser des problèmes de éthique aussi, c'est-à-dire de prendre des personnages de fiction, des personnages réels, et de les mettre ensemble dans la grande lessiveuse de l'histoire et de la fiction pour produire un roman. Donc j'essaye, alors je ne sais pas si c'est réussi, mais d'avoir une forme de délicatesse aussi par rapport à tous ces personnages-là, et sans jamais avoir de position de surplomb ou de jugement sur l'un et l'autre. Et finalement, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont vraiment fait durant ces événements tragiques comme la guerre. Et plusieurs personnages eux-mêmes ne savent plus exactement ce qu'ils ont fait, ils ne savent plus ce qui est de l'ordre de la légende qu'ils ont eux-mêmes créée. Ou, vous savez, comme quand on ressasse ou on se remémore des événements même tout petits de sa propre vie, à force de les parler, à la force de les tirer de l'oubli, de les raconter, ils deviennent plus ou moins mythiques et on ne sait plus exactement ce qui s'est exactement passé. On peut avoir tendance parfois à croire à ce qu'on dit. Thank you.